Aujourd'hui, c'est le babysitting dating à la maison de la famille. Du coup, ce matin, il y a eu une formation pour les indispensables du babysitter avec une trentaine de jeunes qui sont venus pour se renseigner sur comment s'occuper des enfants et quelles sont les démarches administratives, comment rencontrer les parents, négocier son contrat, etc. Et cet après-midi, du coup, a eu lieu le babysitting dating avec les parents qui sont venus rencontrer les jeunes. Certains étaient accompagnés de leurs enfants, il y en a une cinquantaine environ qui sont venus. Les entretiens ont lieu, c'est des entretiens qui durent environ 5 minutes, où les jeunes et les parents peuvent discuter sur leur disponibilité et leurs attentes. L'année dernière, je m'étais déjà inscrite et j'ai eu une très bonne expérience. J'avais été recontactée par différentes familles. J'ai pu vraiment apprendre, même à rencontrer les enfants sur place ici. Et donc tisser déjà un lien et ensuite pouvoir réaliser un babysitting. Donc pour l'instant, j'ai déjà eu 3 entretiens. J'ai pu donner mes contacts aux parents et donc j'espère être recontactée très prochainement. J'ai pu rencontrer 6-7 familles environ, certains avec des enfants, des fois c'est que des couples ou des fois même des parents tout seuls. On a notre fiche de renseignement, donc c'est assez facile de leur donner nos disponibilités et notre contact, donc ça s'est super bien passé. J'ai pu parler avec les parents, ça se passe plutôt bien. J'ai eu que des bons retours. J'ai pu récupérer des contacts. Je conseille vraiment le babysitting dating, c'est très bien organisé. Ça permet vraiment de rencontrer plusieurs parents sur un temps limité. Pour tous ceux qui veulent faire du babysitting, effectivement, je conseille. Il y a pas mal de familles qui viennent. Ça permet de rassurer les parents aussi de nous voir en vrai et de pouvoir discuter aussi et d'avoir un feeling avec les parents.